je suis le docteur Boré Cavrois Marie-Françoise. Je suis médecin adjoint de temps plein dans le service de médecine interne du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Alors après une quinzaine d'années de travail qui inclut le passage par la faculté de médecine pour l'externat, puis l'internat en province et enfin le clinica à Paris, j'ai exercé dans différents hôpitaux publics essentiellement avant d'arriver à l'hôpital Saint-Joseph en 2009. En tant que médecin adjoint dans l'hôpital Paris Saint-Joseph, j'assure la prise en charge des patients en hospitalisation et en consultation. J'encadre les étudiants hospitaliers, notamment pour l'enseignement au lit du patient, et je fais le lien avec l'ensemble des spécialités de l'hôpital et avec les médecins de ville. Quand on a une prise en charge d'un patient, lors de la visite, on est accompagné donc de deux internes pour ma part et de deux externes. On va examiner le patient avec eux. Lors des transmissions, chaque matin, nous réunissons l'équipe médicale au complet et l'équipe paramédicale pour revoir les dossiers de chaque patient qui est pris en charge dans le service. Dans le cadre du travail d'adjoint en médecine interne, nous assurons des consultations de médecine interne pour aider les médecins généralistes à régler des problèmes un peu complexes qu'ils ne peuvent pas gérer en ville. On a 37 lits dans le service de médecine interne et on a chacun une unité de 8 lits à prendre en charge. La médecine interne donne un peu une vision d'ensemble de la médecine, donc permet de prendre en charge plusieurs pathologies à la fois. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est le relationnel aux patients. Ensuite, c'est travailler en équipe, parce qu'on ne peut pas faire le travail qu'on fait si on n'est pas adossé à une équipe paramédicale très, très présente et efficace. Et enfin, le fait de travailler en médecine interne, parce qu'on a une prise en charge très globale du patient, et ça, c'est assez passionnant. L'objet qui ne me quitte jamais, c'est mon stéthoscope. C'est indispensable pour examiner le patient, donc vraiment, il est tout le temps dans ma poche.